Lily Rose, tu dors encore là? On est pressé, là, il y a le concert qui commence dans une heure. Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super aujourd'hui parce qu'on va rencontrer plein d'abonnés. Il y a 100 abonnés qui nous attendent dans une petite salle qui est pas très loin de chez nous. Donc, on vous en a pas trop parlé, mais on a organisé un concert pour nos 100 meilleurs abonnés. On a invité 100 personnes, ça va être trop bien, on va chanter toutes nos musiques. Et là, Lily Rose, elle est ultra excitée parce que ça fait une semaine qu'elle m'en parle. Là, c'est juste bizarre, mais c'est dans vraiment une heure le concert, voilà, donc ça commence dans une heure et elle s'est toujours pas réveillée alors que hier soir elle me disait ah j'ai trop hâte d'être demain, je pense que je vais me réveiller super tôt. Lily Rose, mmh. Lily Rose, ça va? Mmh. Lily Rose, non, tu m'as réveillée là. Mais Lily Rose, qu'est-ce que... Non mais t'es bizarre là, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, écoute, on a vraiment pas le temps là, je te trouve bizarre Lily Rose. Hein. Ah bon, allez, le concert c'est dans une heure, les 100 abonnés ils ont commencé déjà à attendre devant la salle. Oui, parce qu'on va vous filmer tout le concert, mais là, il y a l'organisateur de l'événement, le mec qui est à la salle déjà. Il nous a envoyé plein de vidéos, il y a déjà au moins 50 personnes devant qui attendent, qui sont en train de crier Lily Rose, Lily Rose. Bon, allez. Les gens qui attendent, ils attendent quoi? Lily Rose, t'as grandi pendant la nuit? J'ai toujours été grande, hein. Mais pourquoi? Non mais c'est quoi cette coupe de cheveux? Qu'est-ce que t'as fait? Attendez, j'ai changé de coupe. Regardez de cheveux, c'est elle, fait presque ma taille. Bah oui, je suis... Alors que Lily Rose, normalement, elle m'arrive ici. Elle fait 1m50 à peine. Bon, c'est quoi cette histoire d'événement? Non mais là tu... Qu'est-ce que... Mais on a... Mais tu sais très bien, Lily Rose, on a un concert là. Un concert? Mais oui, c'est dans même... Enfin, maintenant, c'est dans même pas une heure. Ah bon, bon, écoute, je vais chercher Peppa Pink, reste là. Oh. Les amis, s'est passé quelque chose d'étrange avec Lily Rose. Je sais pas ce qu'elle a pris comme potion. Attends, c'est peut-être moi qui ai un problème là. J'ai un problème dans ma tête ou quoi? Peppa Pink. Oui, viens vite. Viens voir Lily Rose. Qu'est-ce qui se passe? Bon, toi, j'espère que t'es prêt au moins. Ah bah oui, moi je suis prêt à partir là. Ah oui. Bah surtout que Peppa Pink aussi chante. Il fait une surprise aux abonnés. Il est censé chanter et moi aussi, oh, ne vous inquiétez pas. Je vais chanter une musique. Et. Lily Rose, vraiment. T'es une drôle de voix, Lily. Ah, c'est surtout sa taille, tu trouves pas? Bah ouais. Et même sa coupe de cheveux. Oh, Lily Rose, attends, je peux toucher à tes cheveux là? Ah, vas-y. Ah non, surtout pas, touche pas mes cheveux. Comment ça, touche pas? Non. T'es au courant que là tu vas devoir te coiffer pour le concert, tu peux pas rester comme ça, hein? Ah, parce que je dois aller au concert en plus. Mais oui, c'est toi qui chante au concert. Attends, viens, je vais te raconter un truc. Comment ça, ton argent il est où? Ton argent de poche? Ah, j'en ai besoin. Mais ton argent de poche, oui, je dois te le donner aujourd'hui parce qu'on est dimanche, mais... Attends, frère, viens. Bon, allez, attends ici, Lily, attends. Tu la trouves pas bizarre, là? Bah ouais, elle demande l'argent de poche alors qu'on lui en a donné... Non, c'est aujourd'hui l'argent de poche, on est dimanche. Et je lui avais dit oui, je te donnerai de l'argent de poche dimanche prochain. Elle sait plus qu'il y a un concert. Non mais oui, elle a oublié le concert. Et surtout cette coupe de cheveux, c'est même pas sa vraie couleur de cheveux. Non, sa taille, elle fait ta taille, alors que normalement, Lily Rose, elle est quand même beaucoup plus petite. Ah, c'est la perruque du concert, mais... Non, on n'avait pas dit qu'elle allait porter une perruque pendant le concert. Normalement, elle était censée se faire une coupe de cheveux avec des petites boules, là, de tresses. Et autres, qu'est-ce que tu fais, Lily Rose? Qu'est-ce que tu fais? C'est gâché mon argent de poche! Ben oui, pourquoi tu vas dans ton coffre-fort? J'arrive pas à l'ouvrir! Bah, t'as la clé, normalement, Lily Rose. Oui, normalement, Lily Rose, y a que toi qui as la clé pour ton argent de poche. Hein. Ah bon? Nous, on peut pas t'aider là-dessus. Ah bah, j'ai perdu ma clé! Elle sait pas qu'il y a une clé. Mais si, non mais... Bizarre, normalement, c'est Lily Rose qui a sa clé pour son coffre à argent de poche. Hé! Attends, mais Lily Rose, qu'est-ce que tu fais là? Je comprends avec moi! Bah, pose-le sur le bureau, Lily Rose. Je commence, les amis, je commence à avoir des doutes. J'ai l'impression que la vraie Lily Rose a été remplacée par cette personne. Je sais pas si c'est vraiment Lily Rose qui est là, mais il va falloir démasquer l'imposteur. Surtout qu'on a vraiment pas le temps parce que le concert commence à s'approcher de plus en plus. Ah, bon. Comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Mais t'es... Normalement, tu dois avoir une clé. Vous avez une autre clé? Mais non, on n'a pas d'autre clé. Ah mais c'est pas possible, ça. Comment je vais ouvrir l'argent, le coffre? Comment je récupère mes sous? Lily Rose, il est où ton téléphone? Bon, allez, viens. Je vais t'expliquer un truc. Lily Rose aurait jamais perdu son coffre. Enfin, la clé de son coffre. La clé, c'est... Ça veut dire que la personne qui est là, c'est un imposteur. Essaye d'appeler Lily Rose sur son téléphone, non? Bah ouais, j'y ai pensé, mais je peux pas appeler Lily Rose alors que l'imposteur est là. Attends, va le voir. Et va le voir. Et essaie de gagner du temps. Bon les amis, je vais appeler Lily Rose sur son téléphone. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Mais attends, si l'imposteur est là, si l'imposteur était dans le lit de Lily Rose,
Où est Lily Rose? C'est vrai ça? Attendez, je vais essayer de l'appeler, parce que pour l'instant j'ai pas vu le numéro de... Enfin, j'ai pas vu le téléphone de Lily Rose. Alors... Allô? 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 Oh non, c'est son répondeur. Ça répond pas. Oh, c'est pas possible. Je vais essayer de rappeler. Allô? Allô? Oh non, c'est le répondeur. Ça me dit bonjour, vous êtes sur le numéro de Lily Rose. Veuillez rappeler plus tard. Oh, c'est pas possible. Ça veut dire que l'imposteur a peut-être enfermé Lily Rose quelque part. Et peut-être qu'il a pris son téléphone et qu'il l'a jeté à la poubelle. Ou peut-être qu'il a éteint le téléphone de Lily Rose. Bon, en tout cas, on va pas se laisser faire comme ça. Peppa Pink! Je vais essayer de rentrer dans le jeu de l'imposteur. Lily Rose. Ah, Lily Rose. Tu connais les paroles de ce que tu vas chanter tout à l'heure. Ah oui, Lily Rose, tu connais les paroles de ce que tu vas chanter tout à l'heure. Les paroles, bien sûr, bah, oui. Popit, hein, bien sûr, tu vas chanter Popit et puis... Vas-y, oui, chante Popit. Popit, Popit, vive les Popit. Les Popit, c'est joli. Vive les Popit, les Popit, c'est joli, mais c'est pas ça du tout, les paroles. Ah bon? N'importe quoi. Écoute. Ah, Lily Rose. Là, c'est sûr, c'est sûr que c'est pas Lily Rose. Lily Rose aurait jamais oublié ces paroles. Bon, écoute, Lily Rose, on va te donner l'argent de poche. Oui, l'argent de poche. Mais par contre, avant ça, tu dois nous suivre quelque part. Regarde, j'ai déjà tout prévu, j'ai déjà prévu ton argent de poche. Oui. 50 euros. Oui, j'arrive, je vous suis. Ah oui, viens. D'abord, on doit te montrer quelque chose très important. Les amis, je vais l'attirer. On va attirer l'imposteur dans le sous-sol et on va essayer de le démasquer. Allez, venez, dépêchez-vous, hein, parce que le concert c'est dans vraiment pas longtemps. De une, Lily Rose n'oublie jamais la clé de son argent, enfin la clé de son coffre-fort. De deux, elle oublie jamais ses paroles. C'est sûr que c'est pas elle. Allez, viens. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Ah là là, mais oui, tu es tellement gentil en même temps là. Ah, les abonnés t'aiment tellement, tu vas pouvoir faire un concert incroyable. Ah là 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 là. Bon. Argent, où est-ce qu'il est? Ah bah tiens, vas-y. Viens chercher ton argent. Viens chercher ton. Ah, démasqué. Ah bah. C'est une blague. Quoi? Non mais. Valentin. Et Léo Lily Rose. Je me doutais que c'était un imposteur, tu connais même pas les paroles. Et Lily Rose n'aurait jamais oublié sa clé. Et Lily Rose connaîtrait ses paroles. Lily Rose se serait levée super tôt pour le concert parce qu'elle sait très bien qu'il y a plein d'abonnés qui attendent. Et le pire, c'est que c'est Valentin, tu vois. Je me disais aussi, la taille c'était bizarre et surtout les cheveux. Valentin qui connaît pas les paroles en plus. Moi je pensais que tu connaissais. Mais non, mais ça c'est des billets de cinéma. C'est pas avec ça que tu vas acheter des vrais trucs. Oh non. T'as eu, hein, avec ça. Ah bah bon. Voilà. Et pourquoi? Écoutez les amis, on connaît la vérité. C'est notre cousin qui voulait se faire passer pour Lily Rose. Et puis quoi encore? Et elle est où du coup? Tu l'as... Lily Rose? Oui. Tu l'as... Où est-ce qu'elle est? Elle est cachée. Tu l'as emmenée où? Elle est cachée, je vais pas vous dire où est-ce qu'elle est. Bon les amis, on va aller récupérer Lily Rose. Là désolé, on n'a plus le temps de faire la vidéo. On fera peut-être une vidéo sur le concert. En attendant, si vous voulez voir Lily Rose, alors c'est pas un concert, mais on a une rencontre abonnée prévue le 19 octobre 2024. C'est à Douai dans le Nord, dans la ville de Douai, à l'hôtel de ville de Douai pour l'occasion de Octobre Rose. Voilà, donc rendez-vous le 19 octobre à Douai à 18h pour tous ceux d'entre vous qui veulent nous voir pour de vrai. Et peut-être que Valentin serait là, je sais pas. À la prochaine, ciao.